Bonjour Delphine. Salut Morgane. Alors, on est venu ici, j'avais quelques petites questions à te poser, puisque tu as participé donc au module 1 d'Ennéagramme il y a quelques mois maintenant. Et donc, j'aurais voulu avoir ton retour en fait par rapport à ce que ces 2 jours de module 1 d'Ennéagramme ont pu t'apporter à titre perso, dans ta relation avec toi et avec les autres, et puis éventuellement aussi à titre pro. Alors, dans un premier temps, moi j'ai adoré les 2 jours. Voilà, c'était des belles rencontres, il y avait une belle énergie, et ça j'ai adoré. Donc après, qu'est-ce que ça m'a apporté sur le titre perso? Dans un premier temps, mieux me connaître moi. Pourquoi j'étais en réaction par rapport à telle ou telle situation? Pourquoi les autres pouvaient me percevoir d'une manière que moi je ne voyais pas? Et du coup, ça me permettait aussi de mieux appréhender les réactions des gens qui étaient en face de moi et d'être plus calme en fait. Si moi je réagissais, je comprenais pourquoi je réagissais par rapport à mon profil Ennéagramme. Au niveau pro, en fait, c'est un peu la même chose. Du coup, ça me permet d'avoir du recul par rapport aux gens et de me dire, ah, cette personne est plutôt tel profil. Donc effectivement, elle va réagir en fonction de son profil et du coup ça me permettait de mieux travailler sur leurs émotions, connaissant leur façon de réagir en fait. Ok. Est-ce que tu dirais aussi un petit mot sur dans ta relation perso, mais dans tes relations avec les autres? Bah, ça me permet moi d'être plus à l'aise avec moi qui je suis, avec toute l'énergie que ça amène. Du coup, peut-être d'avoir plus un temps de réflexion avant de pouvoir poser les mots vis-à-vis des gens qui sont en face de moi, que ce soit des amis ou de la famille. Parce que je vois maintenant comment ça pourrait les amener à réagir. Et du coup, ça amène plus d'apaisement dans chacune des relations. Et du coup, d'avoir un détachement par rapport aux gens et de se dire, voilà, cette personne, effectivement, si je dis ça, elle va réagir par rapport à ça. Mais je comprends le pourquoi elle va réagir, ce qui me permet moi en face de rester plus calme. Et puis après, au-delà de, parce que là je parle beaucoup des réactions, mais dans le comportement en général, hein, que ce soit dans le plus ou dans le moins, je trouve que c'est plus apaisant en fait. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir.